Bonjour, hello. Dans ce tuto, nous allons étudier une approche qui permet de rapatrier les cours de bourse du site Yahoo Finance. Je ferai un second tuto pour étudier la seconde méthode. Pour mesurer la façon dont Yahoo Finance fonctionne, et bien ce que nous allons faire, c'est aller sur le site Yahoo Finance. À partir du site Yahoo Finance, il faut dans un premier temps connaître les codes qui correspondent à ce que l'on souhaite rapatrier. Si on regarde par exemple le CAC 40, voilà, pour Yahoo Finance, le code qui correspond au CAC 40, c'est celui que l'on voit ici entre parenthèses. Donc ce que je vais faire déjà, si on s'intéresse à la récupération de l'indice CAC 40, je vais faire un copier coller de cet indice-là dans une liste que je vais créer ici, donc code Yahoo, et à côté donc notre code à nous. Donc CTRL-V pour le code Yahoo Finance, que je vais uniquement récupérer le texte par lui-même, et nous on se dit que ça correspond au CAC 40. Voilà, et lorsqu'on est sur le site Yahoo Finance, vous avez une rubrique qui s'appelle le prix historique ici. En allant sur prix historique, ça vous donne un tableau des différents cours. Et quand vous êtes en bas, on a la possibilité de demander à télécharger dans une feuille de calcul. Alors, ce que nous allons faire ici, nous n'allons pas directement télécharger ça dans une feuille de calcul, car l'idée c'est d'automatiser tout ça. Donc, en faisant un clic droit dans ce lien-là, on va copier l'adresse du lien et directement à partir d'Excel, pour voir comment cette adresse-là est conçue, on va directement la coller quelque part là-dedans. CTRL-V, donc voilà. Voilà comment le lien est conçu. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que on a quelque chose quelque part qui correspond au code de Yahoo. Et ensuite, il y a des histoires de date en fait. Hein. Parce que là, on se rend compte qu'on télécharge du 15 janvier 2017, ça c'est la date de fin. Donc on télécharge du 1er février 1990 jusqu'au 15 janvier 2017, qui est en gros la date du jour aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il va falloir travailler donc en VBA, essentiellement dans cette version de tuto, pour pouvoir l'automatiser. Donc nous avons ce lien-là. Et qu'est-ce que nous pouvons faire à partir de cela? Alors, ce que l'on va faire déjà, c'est qu'on va enregistrer une macro qui va permettre de mémoriser l'action à faire au niveau d'Excel. Donc, je vais dans Développeur. Je vous rappelle que si jamais vous n'avez pas l'onglet Développeur, il faut aller dans Fichier, Options, et selon la version que vous utilisez, soit dans 2007, vous avez directement quelque part une case à cocher qui dit Afficher l'onglet Développeur dans le ruban. Soit sur les versions 2010 ou 2013 ou voire plus récentes, vous avez personnaliser le ruban avec l'onglet développeur ici. Petit rappel. Donc je vais enregistrer une macro. Nom de la macro, on va dire import cours. Dans ce classeur-là, éventuellement description si vous voulez, on fait OK. Et là, ce que je vais faire, je vais aller dans l'onglet données et je vais demander à importer directement les données à partir d'un fichier texte, sachant qu'un fichier CSV, parce que Yahoo Finance, en fait, c'était bien marqué, importer un fichier CSV, enfin, transférer les données dans un fichier CSV. Le fichier CSV, c'est un fichier texte. Donc, données, fichier texte, et la source de données, nom de fichier, je vais mettre directement CTRL-V pour récupérer directement le lien que j'avais récupéré à partir de Yahoo Finance. On fait importer, voilà, donc là, à partir de là, ben, c'est l'importation de fichiers texte que, sur lequel on se trouve. Il s'agit d'un fichier délimité parce que chaque champ est séparé par une virgule, donc tout ça, ça va bien. On va commencer l'importation à partir de la première ligne de façon à récupérer les étiquettes dedans. Origine de fichier, ça n'a pas une grosse importance ici car il n'y a pas d'accent à ce niveau-là, donc on peut laisser en MS-DOS. Si jamais on voyait des accents ou autres, il faudrait penser à le mettre en Windows ANSI. On fait suivant. Les séparateurs, ce ne sont pas des tabulations, mais ce sont des virgules. Il n'y a pas de tabulation, a priori. On va faire suivant.
Ce que nous allons faire, on va lui dire que la première colonne, ce sont des dates qui sont mises sous la forme année, mois, jour. Donc sous la forme année, mois, jour. Et pour les autres colonnes, donc je vais les sélectionner. Bon, je vais toutes les sélectionner comme ceci, d'ailleurs, y compris le volume, ça n'a pas d'importance. Mais on va aller dans Avancer pour lui dire que le séparateur décimal que l'on récupère, ce n'est pas une virgule, mais il s'agit du point. Voilà, on fait OK et on peut directement dire terminer. Et on va lui demander de mettre, d'importer les données à partir de la cellule A1 sur la feuille sur laquelle on est. OK. Et voilà, nous en avons terminé avec l'importation des données du CAC 40 d'une certaine date qu'on a précisée d'ailleurs. On avait dit que c'était du 1er janvier 1990 jusqu'à aujourd'hui. Au niveau de l'enregistreur de macro, on va lui dire que ça nous suffit. Le reste, on va directement le travailler en VBA. Donc je vais effacer le lien ici qui me servait uniquement à expliquer un petit peu ce qui se trouvait à l'intérieur. On va positionner d'autres codes Yahoo histoire 2. Donc je vais retourner côté Internet. Donc cours de A à Z. Voilà, allons-y par exemple pour Accor. Si je prends Accor, j'ai le code France ici qui apparaît ici sur Boursorama. Donc je vais prendre ce code-là. Je le copie, je vais côté Yahoo Finance et je lui demande au niveau entrée un symbole de mettre ça, voire accéder au cours. Est-ce qu'il reconnaît ça, ce cours-là? Ok, et donc là, il trouve quelque chose qui s'appelle ACPA. Comme Accor Paris, en fait, le AC devant, ça correspond au code qui correspond à l'action en France. Donc ACPA, ça me va bien. AC.PA, donc je vais de ce côté-ci. Si on a besoin, ici, on va lui dire que c'est donc AC.PA et qui correspond au titre Accor. Si j'en cherche un autre. Un petit retour en arrière. Air Liquide. Air Liquide sur Boursorama nous dit que ça correspond au code AI. Donc sur Yahoo Finance, on va tenter directement en effaçant ce code-là, de mettre AI.PA en espérant que ce soit la même chose. Manifestement, ça lui plaît bien. Ça veut dire que accéder au cours de Air Liquide sur Yahoo Finance, il faudra mettre le code AIPA. Donc voilà, je vais rajouter ce code AI.PA pour dire que ça c'est Air Liquide. Ok, etc., etc. Bon, je vais mettre ça sous forme de tableau. Mettre sous forme de tableau. Le tableau comporte des entêtes, c'est vrai. Et je vais renommer ce tableau-là TBL. Code. Maintenant, je vais laisser quelques colonnes au cas où vous souhaiteriez, une fois que vous avez importé les cours ici, rajouter des colonnes avec des formules de calcul. Donc, ça veut dire que on va lui inscrire en laissant une colonne supplémentaire ici, mettre le code que l'on souhaite importer. Pour le code à importer, on va aller dans Données, Validation des données. Tout ça, vous commencez à connaître si vous avez suivi les différents tutos que je fais. Et la source, on va lui faire donc une 1 égale indirect, puisqu'il s'agit d'un tableau, une zone nommée, entre parenthèses, entre guillemets, TBL code, entre crochets, code Yahoo, qui est le nom de la colonne à l'intérieur du tableau. Yahoo. Je ferme les crochets, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Je valide ça et donc on se retrouve avec la liste des différents codes possibles là-dedans. Voilà, ça c'est une première chose. À partir d'une certaine date,
deux points, jusqu'à une certaine date, à deux points. Alors, nous allons considérer par exemple que pour accord, on va demander du 1er janvier 2010 jusqu'à, et puis jusqu'à, pour l'instant, ici, je ne vais pas trop m'embêter, je vais mettre directement égal aujourd'hui, je ferme la parenthèse, moins 1 pour récupérer tous les cours jusqu'à la veille. Je sauvegarde cela, enregistré sur l'ordinateur, je vais mettre ça sur un dossier de façon à ce que vous puissiez le récupérer vous plus tard. Si vous voulez directement récupérer la version complète plutôt que d'essayer de le refaire vous-même. Exotype Excel. Je vais mettre un nouveau dossier finance. Un type de classeur prenant en charge les macros. Et Yahoo version 1. Enregistré. Nous allons renommer éventuellement cet onglet-là. Le cours, et nous allons du côté VBA, Alt F11 pour aller dans le VBA. Au niveau de ce document Yahoo version 1, il a donc créé un module lorsqu'on a enregistré la macro, et voilà ce qu'il nous a créé comme code. Je vais fermer ça pour l'instant. Donc, ce qu'il va falloir travailler essentiellement là-dedans, c'est ce que l'on trouve dans cette chaîne de caractères-là. Vous voyez, là, on retrouve l'espèce de truc là qui correspond au code de Yahoo du CAC 40. Ça veut dire que le code, on va mettre ça dans une variable. Et ensuite, il nous faut donc le jour, le mois et l'année pour la date de début et la date de fin. Ça veut dire qu'on va avoir besoin, dans un premier temps, de cette variable que je vais donc déclarer au-dessus. Dim scode as string, dim jour début jd as string, on va le mettre sous forme de string, dim m début as string, on pourrait tout mettre ça sur une seule ligne, mais moi je préfère déclarer une variable par ligne, c'est un choix personnel. Mais il est possible de déclarer toutes les variables les unes directement à la suite des autres. On le fera pour la dernière partie si vous le souhaitez. Dim yd as string. Alors par exemple, dim jf, jfin, virgule, mf, virgule, yf, année de fin, as string. Tout ça, c'est tout à fait possible de les déclarer comme ça également. Maintenant, pour nous faciliter la tâche et éviter les ennuis, si jamais vous rajoutez d'autres colonnes à l'intérieur du tableau ici pour avoir un peu plus de place si vous voulez tout écarter, on va renommer les trois cellules ici. Donc celle-ci, on va l'appeler code sélection, code cell. Ici, directement DD, date de début. Et ici, DF, date de fin. Voilà, nous retournons côté du code. Et ce que nous allons lui dire maintenant, donc là l'enregistreur de macro lui s'en fiche complètement des paramètres d'indentation qui sont dans outils, options, etc. Moi je veux une largeur de tabulation de 2, lui il s'en fiche, donc je fais un petit retour comme ça, et à l'intérieur, shift tabulation pour diminuer l'indentation d'une valeur. Donc on va lui dire que scode égale range code sélection, code cell, sous-entendu point value, que jd égale vba.day, le jour de la date de début, range dd, j'ai oublié une parenthèse, que md égale vba.month de range dd, et encore oublié la parenthèse, et que yd
est égal à VBA.year, c'est l'année de range DD, je ferme les guillemets, et les deux parenthèses. Même chose pour les fins, JF égale VBA.day de range DF, date de fin, deux parenthèses, égale c'est mieux, MF, le mois de fin est égal à VBA.month. Alors, on n'est pas obligé de mettre le VBA, simplement je mets VBA pour m'aider à la saisie ici. Et ce n'est pas une obligation de range DF. Et YF égale VBA.year, l'année de range DF. Voilà. Donc, maintenant que les variables ont été initialisées, il s'agit de remplacer les informations qui sont dans la chaîne de caractères Yahoo par les différentes variables. Donc en l'occurrence, la première information correspond au code. Là c'était, il s'agissait du CAC 40, du code qui correspond au CAC 40 au niveau Yahoo. Donc ça veut dire que ça, on va le supprimer. On va donc faire de la concaténation. Donc je ferme les guillemets. On va rajouter deux éperluettes, on rouvre les guillemets et au milieu des éperluettes, je remets un espace, on va dire qu'ici c'est Scode. Pour poursuivre la chaîne de caractères afin de mieux bien voir ce qui se passe du côté éditeur, je vais forcer un retour à la ligne, donc il y a un espace, je fais le tiret bas du 8 et je vais à la ligne pour mieux y voir. Donc là il y a le 1 qui est ici, qui correspond au mois de fin de ce que l'on souhaite, de la période que l'on souhaite rapatrier. Donc le 1, je le supprime. Donc même principe, guillemets, espace et éperluette, espace, 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 j'en mets 3 directement, éperluette, espace, guillemets, et ici, le mois de fin, c'est donc MF. Ensuite, le 15 que l'on trouve un petit peu plus loin, il s'agit du jour de fin. Donc, je ferme les guillemets, espace, éperluette, espace, 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 éperluette, espace, guillemets. Et à la place, là, on lui dit que c'était le jour de fin, JF. 2017, je supprime 2017 et je mets guillemets, espace, éperluette, espace, 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 éperluette, espace, guillemets. Et à la place, on lui dit que c'est l'année de fin, c'est-à-dire YF. Même principe pour la suite, donc là je vais reforcer un retour à la ligne, il y a un espace, je mets un tiret bas, je vais à la ligne pour poursuivre. La première partie ici, ça c'est du caractère imposé, le 2 ça correspond donc au mois de début, ici, donc c'est donc le 1er février, donc à la place du 2, guillemets, espace, éperluette, espace, 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 éperluette, espace, guillemets, toujours la même chose, et le 2 c'est donc un... on a dit que c'était le mois de début, donc MD. Oui, donc je vois que je mets un espace en trop à chaque fois au niveau des éperluettes, pas d'importance, ça va supprimer automatiquement. À la place du 1 ici, guillemets, espace éperluette, espace, espace, éperluette, espace, guillemets, et au milieu des éperluettes, c'est donc le mois, le jour de fin, pardon, donc JF, et 1990, qui est l'année de début, c'était le jour de début, JD, et 1990, donc guillemets, espace, éperluette, espace, espace, éperluette, espace, guillemets, qui correspond donc à l'année de début. L'année, je l'ai mis YD. Voilà pour la chaîne de caractères. Au niveau du nom du tableau qui va être rapatrié, on s'en fiche complètement de ça. On va simplement mettre code Yahoo, cours Yahoo. On va mettre directement cours Yahoo. Il y a peut-être certaines options là-dedans qui ne vont pas fonctionner en automatique, comme commande
type ici, je crois que ça ne fonctionne pas, mais on va vérifier tout à l'heure. Si ça ne fonctionne pas, on le supprimera directement. Ainsi, parmi les choses qui éventuellement peuvent vous intéresser là-dedans, ça va être la notion ici, voilà, array 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ici. Comme on constate ici, il y a autant de chiffres là-dedans qu'il y a de colonnes à rapatrier. Si jamais vous n'étiez pas intéressé par le cours de clôture ajusté, qui est rarement différent du cours de clôture, il s'agirait simplement ici de lui dire que la dernière colonne, vous n'en voulez pas, et à la place du 1, on va mettre un 9. Par exemple, 9, c'est pour dire ne pas importer la colonne. On retrouve la notion de séparateur décimal, si vous avez oublié de le spécifier. Ici, on peut directement lui préciser que le séparateur décimal, c'est un 1. Voilà, et simplement ce qu'on va faire avant de tester ça, on va lui dire que avant de réimporter les données, on va réeffacer tout ce qu'il y a là-dedans. Alors comme on a une colonne en moins, il faudra peut-être adapter. Alors ce qu'on va faire, on va directement supprimer cette colonne-là. Donc je vais simplement l'effacer. Et on va lui dire, donc il faut effacer les colonnes de A jusqu'à F. On y va, ça veut dire qu'avant d'importer ça, on va lui dire range A1 de point F1. Ça, c'est ma façon de lui dire qu'on efface des colonnes entières. Point entire colon point clear contents. On efface le contenu. Et une fois qu'on a terminé tout ça, accessoirement, on peut lui dire que range A1 point current région, pardon, guillemets, point current région, point name, égale base cours. On donne un nom au tableau. Comme ça, si on a besoin, avec les guillemets autour, c'est mieux. Comme ça, si on a besoin de travailler, de faire un tableau croisé dynamique sur la base d'une zone nommée, ce sera plus simple pour actualiser le tableau croisé dynamique. Il s'adaptera à n'importe quelle dimension, n'importe quelle quantité de lignes de notre base de données. Nous allons tester ça, mais évidemment, avant de tester, on va prendre la précaution de sauvegarder. Nous allons tester ça, donc en créant déjà un petit bouton là-dedans. Accueil, insertion, texte, zone de texte, fidèle à mes habitudes, vous commencez à connaître ça. Un petit go ici, je me reclique sur le bord pour centrer horizontalement, verticalement. Et dans les outils de dessin, un style rapide pour créer un bouton. Avec sur le bouton droit de la souris, affecter une macro. Et la macro, c'est donc un parcours. Je clique à l'extérieur, j'ai une nouvelle sauvegarde et je teste ça. Tester. Voilà, appel ou argument incorrect, c'est bien ce que je pensais. Cette commande-là, qu'il a enregistré lui-même au passage. Il ne la reconnaît pas quand il exécute en automatique. On lui dit OK, tu ne connais pas ça, je mets en commentaire directement. Et je poursuis l'exécution de la macro en cliquant sur continuer ou en faisant F5. Voilà. Et donc, il nous a rapatrié les cours de Ehrlich et du groupe Accor de 1er janvier 2000. On va vérifier ça jusqu'au 14 février 2017. Du 1er février 2010, c'est, j'ai mis 1er janvier, et il nous fait 1er février, alors peut-être qu'il n'y a pas de cours, ou alors qu'est-ce qu'il nous a fait là, ici? Oui, donc, effectivement, la subtilité du côté Yahoo, c'est qu'au niveau de la chaîne de caractères, il y a une différence de 1 au niveau de la chaîne de caractères, sur les mois. Ça veut dire qu'au niveau des mois, ici, le mois commence à 0. Bon, c'est un peu particulier, mais c'est comme ça que lui fonctionne. Peut-être pour tromper l'ennemi aussi. Donc, ça veut dire que là, on va lui faire un moins 1 au niveau du mois de début et moins 1 au niveau du mois de fin. On va sauvegarder ça et on retourne faire un test ici. Go. Et cette fois-ci, voyons voir, on démarre bien en janvier 2010 jusqu'en février 2017, 14 février 2017. Donc là, ça marche un peu mieux. On va refaire ça pour Air Liquide. Air Liquide, on va démarrer du 2 janvier 1990 jusqu'à aujourd'hui. On y va. Et donc, il nous rapatrie Air Liquide. À
partir du 2 janvier 1990, voilà, le 3 janvier 1990, on peut supposer que le 2000, alors peut-être qu'il n'y a pas eu, le code entre-temps a peut-être changé, à voir, si je lui remets directement par rapport au CAC 40, 1990, on y va, là il fait bien depuis le 1er mars 1990, donc là bon, il faut vérifier, est-ce qu'il a dans sa mémoire, il y a où les codes qui correspondent à tout ça, voilà. Tout simplement, alors on a vu que pour Air Liquide, il démarrait en 2000 et non pas en 1990. Ça veut dire qu'au niveau de Yahoo Finance, si on va chercher le cours de Air Liquide AI2.PA, accéder au cours, prix historique. Voilà, il démarre en 2000 pour Air Liquide, il va pas jusqu'en 2000, jusqu'en 1990. 1990. Jusqu'au 31 décembre 1995. Voilà, ils trouvent rien. Voilà, voilà l'explication. Donc, évidemment, vous rapatriez ce qui est dans l'historique de Yahoo Finance. Mais tout ça, donc, fonctionne correctement. Derrière, si vous voulez rajouter des informations sous forme de formule, à vous de le faire. Donc là, je vais écarter un petit peu ça. Par exemple, un écart moyen, un écart par rapport à la veille. Donc, on va lui faire égal sur le cours de clôture, égal ça. Entre parenthèses, ça moins ça divisé par le cours de la veille. Voilà, ça donne une baisse, effectivement. On va mettre en pourcentage avec deux décimales. Et derrière, on va recopier ça jusqu'en bas, sachant que la dernière cellule en bas, comme la veille, il n'y avait pas de valeur. Donc, d'accord, ils nous ont fait un petit peu trop. On va gérer ça en VBA directement, cet écart-là. Ça veut dire qu'en VBA, il faudrait refaire cette formule-là pour nous faciliter la tâche. Bon, là, je vais réeffacer cette cellule-là. Donc, on va faire une formule qui va calculer l'écart par rapport à ce qu'il y a la veille, mais de façon à ce que ça s'adapte uniquement au nombre de cellules qui vont bien. La formule, on va la faire créer en VBA. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, je vais me positionner ailleurs, et je vais enregistrer une macro histoire d'avoir un aperçu sur ce qu'il faut faire. Le nom de la macro, pour l'instant, on s'en fiche un peu. On va valider ça, on va se positionner dans cette cellule-là, et là, on va écrire la formule égale, entre parenthèses, le cours du jour moins le cours de la veille, je ferme la parenthèse, divisé par le cours de la veille. Je fais un contrôle entrée histoire de rester sur place et de mettre ça sous forme de pourcentage avec deux décimales. Et pour la recopie, on verra comment le recopier en VBA. J'arrête l'enregistrement de la macro. Et nous allons nous en occuper à la fin de la macro ici. Donc voilà la macro 6 qui se présente ici. Ça veut dire qu'on est en G2 ici. Et selon ce que vous avez fait, il faudrait s'adapter à ça. Moi, ce que je vais lui dire, donc ça, on va le garder pour si vous voulez faire un tableau croisé dynamique, c'est à faire en dernier. Ça veut dire que ce ne sera pas obligatoirement G2, mais en revanche, il faudra s'adapter évidemment à ce que vous allez faire. Donc, dans un premier temps, je vais considérer que c'est G2 hein, pour l'exercice. Hein. Donc, range G2, point, formula R1C1, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de reprendre tout ça. Range, entre parenthèses, entre guillemets, G2, point, formula R1C1, égale, et puis on va refaire la même chose que ce qu'il y a ici. Contrôle C. Contrôle V. Donc, cette formule-là, faut la recopier. Donc, range G2 point
copie. Ah oui, il y a les mises en forme d'abord, hein. Il y a la mise en forme ici. Donc, range G2. G2. Point. Style. Égal. Entre guillemets. Percent. Donc, on reprend ce qu'il y a en dessous. Hein. On ne s'embête pas. Je vais mettre le P majuscule histoire de, même si ça ne devrait pas le gêner. Et ensuite, même chose avec le nombre de décimales. Range G2. Contrôle V. Point number format égal avec 2 décimales et le pourcentage. Ça veut dire que ici, quelque part, on s'en fiche un petit peu puisqu'il y est directement à ce niveau-là. Il nous reste à nous faire un range G2. Point copie. Et il faut recopier ça dans toutes les cellules vides de la colonne G. C'est-à-dire que je vais lui faire range entre parenthèses, entre guillemets, A1, point current région, point special cells, entre parenthèses, XL type blanks, point paste spécial, XL type paste all, qu'on devrait avoir juste ici. On colle tout, les formules, les formats, etc. On teste ça. Je sauvegarde, évidemment. Ça veut dire qu'au niveau de l'effacement des cellules ici, attention, il y en a un petit peu plus à effacer. Ça veut dire qu'on va pouvoir modifier ça. Ça veut dire que là, on va pouvoir mettre aussi un range G1, par exemple, égale le titre de la colonne, écart. On va la rajouter directement. Ce qui veut dire que si on fait tout en VBA au niveau des formules qu'on a besoin de rajouter, à la place de ça ici, de l'intérieur colonne, on va les mettre un point current région. Ça va être aussi simple que ça, si je peux dire. Voilà le code tel qu'il devrait être. Nous allons tester ça, voir si ça fonctionne correctement. Go pour ici, on y va. Go, et voilà, il nous a rapatrié tous les écarts. On va jusqu'en bas, il nous a laissé la dernière, ça veut dire qu'il ne fallait pas prendre en compte la dernière. On va rajouter ça dans le code. Pour la dernière, on voulait faire range G1 048 576. Point guillemets espace parenthèse point end XL up la dernière cellule qu'on a en remontant par le bas en remontant à partir de la dernière cellule de la colonne G point clear contents on efface le contenu de la cellule je sauvegarde on recommence la manip un petit go qui va se trouver là-haut. Voilà, et cette fois-ci, il nous a effacé la dernière cellule. Ce qui nous permet éventuellement de trouver un écart moyen. Si on veut faire cet écart moyen, on va prendre le dernier cours, moins le premier cours, divisé par le premier cours et divisé par le nombre de cours qu'il y a eu de jours de cotation. Donc on y va, c'est donc égal à entre parenthèses. Le cours qui est ici, le cours, donc le dernier cours connu, moins le premier cours de la liste ici. Donc pour faire ça, on va aller chercher la fonction, autre fonction, recherche et matrice, recherche et référence ou recherche et matrice selon les versions décalées. Décalée à partir de quoi? À partir de F1. La hauteur, ce sera une cellule que l'on veut, donc une cellule de partout. Le nombre de décalés de combien de colonnes? De 0, on reste dans la colonne des cours de clôture. Et le nombre de lignes correspond à, dans les autres fonctions, aux fonctions statistiques. Statistiques, donc référence, nbval. Statistiques nbval.
NBval, donc là qu'on prenne n'importe quelle colonne, on s'en fiche un petit peu. Allons-y pour les dates. Ok, sauf que par rapport à ça, il faut lui mettre un moins 1 parce qu'il s'agit d'un décalage. Ok, le résultat de cela. Ouais, allons-y. Donc, le résultat de tout cela, de cette différence-là, il faut le diviser par le premier cours. Donc, ça veut dire que je vais récupérer cette fonction-là ici, CTRL-C, on va le diviser par CTRL-V. Et le résultat de tout cela, si on veut une moyenne, parce que si je fais ça directement, ça fait un écart de 31% entre le jour. Le premier jour côté et le dernier jour côté. Et si on veut donc une moyenne, on va le diviser par NBval que je récupère directement ici. Le nombre de jours de clôture de tout ça. Mais ça, évidemment, il convient de lui faire également moins 1. Donc on va mettre entre parenthèses ici moins 1. Voilà, ça me fait une baisse moyenne de 0,01% par jour de cotation, ce qui n'est pas négligeable, puisque là on a vu que, en fait, sur la période, on perdait 31%. Voilà le genre de choses que l'on peut faire donc à partir de rapatriement de cours sur Yahoo. Profitez bien de ce tuto. Donc, dans le prochain tuto, on verra une autre méthode pour importer les cours d'un titre donné. À ciao! Profitez bien! Bonsoir!